أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. الحق Qu'est-ce que l'inévitable ? وما أدراك ما الحق ? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable ? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Les Thamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. عَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً Ils désobéirent au messager de leur Seigneur, celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. فيومئذ وقعت الواقعة. Ce jour-là alors, l'événement se produira. انشقت السماء فهي يومئذ واهية. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte.
il jouira d'une vie agréable. Dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. ولم أدر ما حسابيه. Et ne pas avoir connu mon compte. يا ليتها كانت القاضية. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. ثم الجحيم صلوه. Ensuite brûlez-le dans la fournaise. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Car il ne croyait pas en Allah le très grand. ولا يحض على طعام المسكين. Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. ليس له اليوم هاهنا حميم. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger. Ni d'autre nourriture que du pu. Que seuls les fautifs mangeront. أقسم بما تبصرون. Mais non, je jure par ce que vous voyez. وما لا تبصرون. Ainsi que par ce que vous ne voyez pas. إنه لقول رسول كريم. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. قليلا ما تذكرون. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. تنزيل من رب العالمين. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. لأخذنا منه باليمين. Nous l'aurions saisi de la main droite. ثم لقطعنا منه الوتين. Ensuite nous lui aurions tranché la horte. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. وإنه لتذكرة للمتقين. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et
et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ C'est là la véritable certitude. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand.